Yo la team des japonaises du pays du soleil levant, on est de retour pour une vidéo aujourd'hui. Donc ça sera un petit vlog sur un rassaut de voitures japonaises. Donc on est avec Sajid, le poteau. La team. On va aller voir les autres pour le convoi. Ils sont garés au carrefour, on arrive. Va aller voir les acolytes. Y a quoi comme voiture? Je sais pas du tout déjà avec qui on part. Ah, ben on n'est pas beaucoup. Hein. Hop, la petite branche. La Z. Eh ben ça fait pas un gros convoi! C'est pas grave, ça va être bien comme ça. Ça va être bien comme ça, t'inquiète. Et là, on a une troisième. C'est vrai que c'est pas con, on va maquiller la Mercedes, hein. On va lui mettre un badge Nissan. C'est rond, on va faire pareil. Un bon petit convoi sympa. Et après lui, c'est vraiment une voiture pour se poser. Franchement, c'est trop bien quoi. Comme je suis une grosse schmetta, je fais quoi? C'est bientôt? Ouais, on se gare un peu avant? C'est beau une Z. Ouais, ouais, franchement c'est classe. C'est un cul de ouf. Putain, il y a une RX7. Putain, ouais, la bleue. C'est beau une RX7. C'est rare aussi. Rare, c'est rare. Très rare une RX7. C'est moi qui. Ah ouais, d'accord, ok. Ça va? Et toi? Nickel. Bon, on suit. Salut les gars. Ouais, vas-y, bah suis. Ou alors, non, mais toi au niveau de la Sky. Au niveau de la Sky? Ouais, à côté de la Sky. Vas-y, ça marche. Au niveau de la Sky. Something.
Ah, ça, les préludes 4G comme ça, les intérieurs, ils sont fantastiques. Moi, j'avais swappé, c'était une 2 litres de VTEC. D'accord. J'ai swappé avec un H22 d'accord hyper. D'accord. Et elle avait le démon. Quand je te dis, elle avait le démon, c'était un truc de fou. Elle avait ligne complète, elle venait du Japon, la ligne. Ligne complète de devant jusqu'à derrière. Putain. Elle avait un son. C'était extraordinaire. J'avais mis un injecteur de Honda S2000. Ouais. Et j'avais pas eu de carto par contre. Pas de carto. Non, pas de carto, pompe à essence au débit, décata, la ligne complète. Ouais. Et ça sortait 210 chevaux. D'accord. Ah ouais. Sans carto, un marché full éthanol, un truc de fou. Elle est belle celle-là, ça fait plaisir d'en voir, moi j'aime bien les 4G. c'est ce que je dis, ça fait un an qu'on l'a dans le garage là, ça fait deux plaisir. Semaines qu'elle tourne. C'est vrai, ouais, faut la faire rouler. Bah ouais, c'est pour ça. Là elle est encore en config contrôle technique si tu veux. Oui, ça va. Ouais. C'est joli, hein. Franchement l'avant, l'arrière, j'aime bien tout. L'intérieur, tout. Je vois que t'as fait la modif du toit ouvrant aussi. Ouais, modif. Par contre c'est les supports de 4G que j'ai modifiés. Ça rouille, moi le mien est cloqué là. Ah ouais, bah c'est chiant. C'était repeint, mais ça recloquait. Je sais pas pourquoi les toits ouvrants de 4G comme ça, ils rouillent. T'as la flotte qui se fout sous les. J'ai pas eu le temps de le faire, je l'ai vendu à contre-coeur. Mais je voulais mettre un toit en verre. Ouais. Et franchement, c'est top. Ah, j'ai mis 7 heures à faire, 7 heures la modif. Ouais, mais ouais. Putain, je regrette pas. C'est long. Ouais. Non, elle est top. Le pire, c'est le réglage. Franchement, elle est top, elle est belle. Bah, merci. Ah, il est concilé. Non, lui ça va. C'est tout à l'heure, là. Ouais. Magnifique en plus. Ouais. Ah. Fast and Furious 1. Je sais pas c'est quoi comme motorisation. C'est 2 litres ça. 2 litres. Je sais pas si c'est du turbo ou de l'atmo. Mais ça, c'est de l'atmo, ça, je pense. Elle doit être trop rare en turbo. Ça a une dégaine. Hein. Elle a un pare-choc gonflé. Regardez devant le compteur. Ouais, l'intérieur, ça reste simple. Ça me fait penser à une voiture, je sais plus quoi. Ah, j'aime bien. Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est du 4x4. C'est pas le Rexton. Ah non, c'est pas le Rexton. Four wheel drive. Ah, la gueule qu'il a. Oh. Il est monstrueux. Ah, j'adore. Ah, je kiffe. Ah, il est incroyable. Côté de la roue. Ah non, je t'embiche. Oh putain, je suis mort. Excellent. Ouais, c'est drôle. Tu les regardes là ? Derrière la roue. Oui. C'est ça qui m'a flingué. C'est ça qui nous a fait rigoler. Ouais, t'es fou, il fait trop rire. Il fait trop rire le patron, je crois quoi. Ah ouais, incroyable. C'est quoi ça, Toyota quoi ? Toyota. Toyota ? Je sais pas c'est quoi. C'est un Land Cruiser. Land Cruiser. Ah, il est trop énervé. Tu vois la taille du radiateur. Tu descends au fort de rang. Ça y est, le douanier de regard, il est à loin. Ah ouais, tu vas à Haran avec ça, t'es bien. J'ai beau. J'ai vu limite si tu dis, ah, je contrôle la truc, le gars. Échec. Fais le tour. Ah, excuse-moi, fais le tour. Allez, chic, fais le tour. Regarde derrière la route de secours. Fais le tour, regarde la route de secours. Il est insolent. Il a dû lui rouler dessus le sanglier, il a rien à voir, la voiture, elle a rien eu. Ah, mais ça, Annie, c'est son trophée. C'est pour ça qu'il l'a mis. Il a cru dans The Witcher. Voilà. Il va mettre la tête du griffon. Incroyable. Il y a du monde dans ce crâne. Ah, bah oui, mais bon, tu sais,
ça ou tu passes quoi? Oh non, c'est tranquille. Oh moi, il fouille pas. Samir, la Del Sol Tuning qui arrive. Elle est classe aussi la MR2, en noir comme ça, ouais. C'est, tu vois, rabaissé ça fait classe. Tu veux l'intérieur? Ouais, je veux bien s'il te plaît, c'est gentil. Ça va être compliqué, ouais, on va aller de l'autre côté, c'est gentil. Merci à toi, c'est très gentil. Franchement c'est bien, l'odeur dedans je kiffe trop. Ah non c'est stylé. Elle a une odeur. Il a passé du temps à la nettoyer donc. Ouais. Elle sent le propre. Ah, sans le propre. Elle est magnifique. Putain, ça doit être un petit jouet. Hein. Moi, je peux pas la conduire, impossible. Ah, c'est un petit jouet. Hein. C'est avec les baquets, non, pas possible. Ouais. Je la voyais pas aussi petite que ça, tu vois. Mais ce qu'en fait, elle est rabaissée, ça fait vraiment un petit. On dirait une CRX. Attends, vas-y, ouais, ferme la porte. Pas tant que ça. J'ai un pote qui a aussi une MR2. Ouais. Elle est plus rabaissée. Mais par contre, il frotte partout. Ouais, bah ouais, mais moi, tu vois, j'ai la Prélude là-bas, la rouge. Ouais. Tu vois qui est tout là-bas, là, la 3G. Et bah là, je viens de la voir, elle est un peu en mode 4x4. Et je vais la rabaisser, tu vois. Et même à frotte par terre, j'en ai rien à foutre. Je veux qu'elle soit rabaissée. Tu vois, rabaisser, comment ça fait trop classe. C'est un truc de fou. Ah, c'est. Lourd derrière. Ouais, c'est ça s'affole. Mais non, c'est magnifique. Et c'est quoi comme motorisation que t'as dedans? C'est l'Atmo, le turbo. Ouais, c'est Atmo, c'est très bien. Bah oui. Bah oui. Ah, j'adore. Ouais, magnifique. Ça fait ça quand c'est neuf. Tellement il ouvre jamais la trappe du capot. Y a pas besoin. Attends, c'est l'inverse. Ouais, c'est le clips qui est venu avec. Ouais, le clips il tient. Ça va, c'est pas trop difficile d'accès la mécanique? Non, ça a l'air de se faire. Mais t'as tout ce qui est accessible facilement. C'est de l'autre côté, t'as tes pouvoirs d'accessoires, t'as tes filtres en dessous. Ah non, 3 SGE, ça marche bien, 160 chevaux là-dedans. Ah, ça oui, pèse combien ça? Une tonne 5 quand même. Une tonne 5? Ouais. Comment ça se fait que ça pèse aussi lourd? Bah c'est de l'acier. Putain, la vache, une tonne 5, elle est toute petite. Ah oui. Ouais, non, mais c'est. Après, par contre, ça doit être quand même fandard. Ah oui, hein, ça. Ça tient la route quand même. Ouais, rabaissé comme ça, ouais. Bah, dans cette config. La route que j'ai, ouais, ça. Avec cette config là, je pense que oui. D'origine, je crois que c'est pas un truc de ouf. Sur les rêves 1, ça c'est une rêve 1. Ouais. C'est moins stable parce que déjà les pneus sont plus petits, c'est du 14. Ouais, c'est du 14. Et ils ont changé sur la Rêve 2, après les essieux sont différents. Moi, là, t'es monté en quoi là? En 265 à l'arrière et 215 à l'avant. Ah oui, quand même. Ouais, il faut ce qu'il faut. Yokohama, c'est de la D08 ouais, c'est ça. Ouais, RS maintenant. RS, ouais. Ah, j'ai ça sur l'Integra, c'est parfait. Ah, ouais. Moi, j'aime bien. Bah, j'aime bien. Sur le sec, c'est tuerie. Oh, mais mouillé. Mouillé. Est-ce que t'as une propulsion? Ouais. Mouillé, glisse. Moi, en traction, je peux te dire, j'ai eu des pneus, j'ai eu des trucs. C'est la première fois que je mettais des Smith Slick. J'ai jamais eu des pneus qui tenaient aussi bien sur le mouillé. Ouais. C'est dingue. Mais après, je dis ça, j'ai quand même. Je suis revenu de Moulou sous la pluie, sur une paro des campagnes. Ouais. 130, ça tient. Hein. Ouais. Ah, celle-là, elle chante celle-là. Mais ouais, non, c'est top. Franchement, c'est une belle voiture. Moi, j'adore la gueule qu'elle a et tout. MR2, y a rien à redire. En noir comme ça, t'as une belle config. Toit rigide, c'est super rare. Toit rigide, ouais, j'ai pas fait attention. Putain, ouais, c'est vrai. Elle a pas le toit qui se sépare. Ouais, je trouve ça. Bah, je trouve ça beaucoup plus joli comme ça, tu vois, que le truc qui se sépare, tu vois. Non, t'as une belle config, franchement. Ah ouais, belle caisse, franchement belle caisse. Ah, j'aime beaucoup. Tu vois ça, tu vois, j'adore. Rouge ou noir comme ça, c'est ce qui lui va le mieux. Ouais. Bah, moi je l'aime beaucoup en blanc. Bah, j'ai un problème avec les voitures blanches aussi. Ah ouais, blanc c'est une chose aussi. Hein. C'est vrai. Hein. Mais... ce blanc là, je l'adore. Ouais, bah oui. C'est le tien le 4x4? Ouais aussi. Incroyable, incroyable. J'étais en train de le filmer tout à l'heure. Il est magnifique. C'est un truc de malade ce 4x4.
Ouais, toi, t'es vraiment passionné Toyota, Ouais, quoi. Ouais, je suis tombé dedans, ouais. J'étais petit. Ouais. Bah, mon père, depuis tout petit, on roule en 4x4 en HDJ80. Ouais. Mon oncle est préparateur de Toyota spécialisé en 4x4. Sérieux? Ouais. Et du coup, à mes 18 ans, j'ai eu un 80. Première voiture. Incroyable. Bah, le premier, je l'ai retourné dans un champ. Non, c'est sublime. Et après, je suis sûr, c'est celui-là. Il est ouf celui-là, la config pareil, hein, c'est le kit déco, les phares fond noir et tout. Bah, le kit déco, c'est... je l'ai dessiné, c'est un pote qui l'a posé. Et ouais. Ouais, le treuil et tout, non, y a rien à redire. Hein. El Forester, il est énervé. Ah, c'est un moteur de sport, non? Ouais, c'est ça, c'est STI. J'aime bien moi ça aussi. C'est la même chose. Ah, c'est différent. Mais ça, c'est un truc de malade. Ça vaut combien sans indiscrétion ça? C'est très cher. Ça, maintenant, moi je l'ai acheté il y a 6 ans, 11 000. Maintenant, ça vaut 20, 25 000. Putain, ouais. Ça tu vois, j'aurais dit un peu plus, tu vois. Ça, a pris... bah, ça dépend de la prépa. Dans ta config comme il est là, je pense qu'il vaut peut-être un peu plus que ça. Non, comme il est là, moi je l'estime à 25 000. Ouais, il est relativement propre, hein, le machin. Et là, c'est ta voiture. Ouais, c'est. Incroyable. Combien de cylindres? 6 cylindres. 6 cylindres. 4 litres 2. C'est dingue. Il y a une saoudienne, c'est ça? Non. À américaine alors. Non, c'est. Bientôt marié une française. Ouais. Bientôt marié. Une manchoise. Manchot, du nord ou du sud? Saint-Lô. De l'ouest. Ouais, c'est au milieu. La Manche. Je suis à Cherbourg, Manchot du nord. Manchot. Vous ne pourrez pas faire des trucs ensemble. C'est vraiment belle voiture. Merci. Vraiment, c'est. Ah, les deux, même la Toyota noire, là, c'est lui. La Toyota noire, c'est un petit jouet. Et Merdon, on n'a jamais eu, c'est pour ça que ça me fascine, parce que je la connais pas, tu vois, vraiment, je la connais. C'est un petit kart à rouler, c'est génial. Non, mais je vois ça, je pense que ça doit être ouf. Je fais un peu de piste, ouais. Je sais pas si t'en fais, t'as l'occasion. Pas encore, parce qu'avec ça, je pense que tu vas rigoler. Dans pas trop longtemps, ouais, je vais. Ah ouais, je pense que tu dois t'amuser. J'ai encore quelques trucs à faire. Là, j'ai changé les freins récemment. J'ai mis du Ritavia, disque ventilé. Ah ben non, mais là, tu peux y aller. Smith Leak, t'as les combinés. Ouais, je suis en BCR. T'as du frein, t'as les sièges. C'est parfait. Non, vraiment. La puissance, est 160, c'est 160, bon. 160, non, mais. C'est bon. Ça, je le ferai peut-être plus tard. Mais je veux faire plutôt une prépa sur un Atmo. Ouais. Avec des papillons. Ah ouais. Des belles tulipes. Tu veux mettre des. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Admission papillon, c'est un truc de fou. Le son que ça sort. Par contre, faut que ça prenne des tours. Ouais, bah après, ça prend 6000, 7000. Tu prends combien? 7000 quand même. 7000, ouais. C'est bien. Ouais, puis après, va la faire respirer, toi, derrière tes papillons. Tu vas faire comment? Bah après, deux injections des deux côtés. Ouais. Avec des ventilos. Ouais, sur le côté. Sinon, tu l'as fait. Une écope comme la NSX. Il y a des écopes qui existent. T'as un lit. Tu vires cette partie-là, ouais. Et t'es une écope qui vient prendre là. Ouais, ok. Ah, ils avaient fait ça sur l'NSX Air Mugen, ils l'avaient placé en papillon, t'avais tous les papillons là, ouais. Et ils avaient fait une prise d'air sur le toit, l'air à l'arrivée directement dans les papillons. Bah, truc de ça, ouf. Ah bah, t'as l'air motivé, donc j'en doute pas qu'un jour tu le fasses. C'est ma passion, et je claque beaucoup d'argent dans ma passion. Ouais, on est comme ça, hein. C'est les bagnoles, c'est... Après, vraiment passionné de japonaise, moi, tu vois. J'aime un peu tout, je suis ouvert, tu vois. Mais moi, vraiment, tu vois, t'es tombé dans la marmite Toyota, je suis tombé dans la marmite Honda, tu vois. Après, les deux, c'est très bien. Après, moi, ma soeur, elle a un CRX Del Sol. Ouais. Mon père avait à l'époque des CRX aussi. Ouais, CRX VTEC, on a connu Del Sol. Del Sol, elle est géniale. C'était avant VTEC, celui qu'il a eu. La Del Sol, ça fait un peu penser à celle-là quand tu regardes. C'est un deux places. Et t'avais pareil le toit. Qui... Ouais, moteur à l'avant. C'est vrai que ça doit changer quand même. D'avoir le moteur arrière, bah, en fait, t'as une config de NSX. Tu sens vraiment que t'es poussé. C'est une sensation de. Bah, t'as le moteur qui. Ouais, tu mets une accélération, ça pousse de derrière. Ça doit être. T'es pas tiré. T'es puis même le bruit, ça vient de derrière, du coup, c'est. Ça doit être délirant, en vrai. Ouais. J'aimerais bien un jour tester. Tu vois. Bah, à l'occasion. À l'occasion, ouais. Tu me feras un tour et puis. Franchement, ça doit être ouf. Putain, j'avais pas vu. Jante de Nissan R32 GTR. C'est incroyable. J'avais regardé, j'ai pas vu les jantes. C'est des jantes de Nissan R32, de Skyline R32.
Et depuis tout à l'heure, je regarde les gens, je dis, putain, ils me disaient un truc. Et j'ai pas tilté jusqu'à qu'ils me le disent, tu vois. C'est dingue. Et tu disais, au niveau tarif, ça donne quoi, ça, maintenant? 15 000. Ouais. J'ai juste là, j'ai eu un petit problème, j'ai la bobine d'allumage qui a cramé, donc ça arrive. Ouais. Et après, j'ai juste installé les baquets. Ouais, les baquets. Baquets harnais et les freins. Tu l'as eu en gros dans sa config d'origine, en vérité, presque. Ouais, non, elle avait déjà combiné fileté, les jantes, le volant qui était... Ah oui, donc toi, t'as vraiment mis que les sièges. Moi, j'ai mis que les sièges, le freinage. Non, parce que l'intérieur, c'est un petit cockpit aussi. Hein. C'est... Ouais. Là, l'intérieur, il est... Je vais vous faire voir. Franchement... Si le volant était droit, ça serait mieux que ça perturbe. Attends. Ouais, ça... Vas-y. Kevin ? Ça, on va mieux voir au niveau du compteur. Je peux avoir les... Je fais attention avec la porte, parce que... Après... Le volant droit. On est un peu serré, là, dans le parking, il y a de la bagnole. Ah là... Pareil, il n'y a pas de DA là-dessus, non, pas besoin. Il n'y a pas de poids à l'avant. Ah ouais, non, génial. Non, c'est bien comme ça. Je voulais voir les compteurs, moi. J'adore l'intérieur. Franchement, c'est génial. C'était vraiment... J'aime bien, c'est serré dedans. C'est, tu vois, c'est... Comment on dit ? Ma future femme fait 1m80. Elle n'aime pas du tout cette voiture. Tu m'étonnes. 1m80 dans la MR2. Oh putain. Je sais pas si on s'en rend compte en vidéo, mais franchement, c'est compact à l'intérieur. Tu vois, je fais 1m68, c'est la bonne taille. Ouais, c'est bien, c'est parfait. Ah non, top, top. Franchement, bien. Bonne caisse. Lui, il arrive. Il commence à annoncer le repas du soir. Allez. C'est l'heure de la bouffe. Allez, let's go. Ouais. Une GTR, deux GTR, trois GTR. Oh merde. Attends, je recommence. Une GTR, deux GTR, trois GTR. Ah ouais, je saurais pas. C'est vrai que la blanche a fait de l'œil. J'aime bien la grise aussi. Et celle-ci aussi. Celle-là doit faire des chevaux, celle-là. Au vu de la quantité de stickers, à mon avis, ça doit pas être d'origine. 86. Ah ouais, laisse tomber, j'ai saigné. Ah, il y en a qui sont repartis. J'ai vu ta Z. Ouais. Oh. Il y en a qui t'a rouen. Oh. T'as pas laissé les clés dedans. Bah là que tu le dis. Parce que là, je crois vraiment elle avait le Rocket Bunny. Ouais, ouais. Enfin, on sait jamais, ça se trouve, je peux la rattraper. Ouais. Non, tourne à droite. C'est mieux. Du coup, on va retourner au rassemblement, on va aller voir si elle est toujours là-bas. Bon. Tu sais, des fois que t'as laissé les clés sur le contact. Honda S2000, ça fait toujours plaisir à voir. Ça, c'est la petite touche féminine. Celle-ci, elle est balèze. Rocket Bunny sur la 86. Ça, c'est beau. Ça. We'll be right back.
changer la bougie. C'est des 0,3 d'origine pour l'instant. TD03. Pour l'instant. Après, il passera en bloc STI, à braquet à Bretagne et à TD04 hybride. Bah, c'est ça qu'il a remonté. Et là, j'ai la dump qui commence à fatiguer. Elle a 4000 km et ça y est, elle commence à fatiguer. Bah, tu m'étonnes, quand j'ai vu déjà l'arrière s'enrouler et ce que ça donnait. Ouais, mais là, elle a 4000 km. Elle vient d'être refaite, la dump. C'est stylé en Forester comme ça, moi j'aime bien. Ouais, c'est vrai. Ça change. Ah oui, c'est cool. Sport ou c'est turbo-timer? Bah ça se termine, on rentre, donc c'était pas mal, bonne petite soirée. Je filme pas ma grosse tête parce que l'écran il marche plus, je comprends pas. Mon téléphone il veut plus faire machine arrière reverse. Et sinon c'était pas mal. T'en penses quoi? C'était bien ou c'était pas? Ouais, franchement c'était bien. Il y avait de la caisse, c'était ouais, bien, on a vu de la GTR, on a vu des... C'était bien, avec la prélude c'était bien. K.O. Donc là on va mettre un petit Karcher, histoire de laver un peu les jantes, parce que les jantes à son blanche c'est la merde. Et on va se rentrer dormir. On va faire dodo. Allez, ciao, à la prochaine.